Bonsoir, je m'appelle Israël Deutsch, j'habite à Jérusalem et je travaille pour le Chabad pour les jeunes. Bonjour, je m'appelle Yonatan Shaul, j'ai 42 ans, je suis webmaster et j'habite à Jérusalem. Bienvenue à la 34e émission de Questions pour un Tzadik. On reçoit aujourd'hui Yonatan Shaul, vainqueur en titre, ouais, et Israël Deutsch de Jérusalem. On passe tout de suite à la première question. Top. Sage ashkénaze ayant vécu au 16e siècle dans la ville de Prague. Je suis l'auteur... Le Maharal. C'est la bonne réponse. Je suis l'auteur d'ouvrages de pensée juive d'une extrême profondeur dont les idées sont souvent empruntées à la mystique. Je suis célèbre pour avoir, grâce à ma connaissance des noms divins, façonné un golem destiné à sauver les juifs de ma communauté d'une accusation de meurtre rituel. Je suis le Maharal de Prague. Avec le mot Prague, il n'y en a pas beaucoup d'autres. 1-0 pour Yonatan Shaul. On passe tout de suite à la deuxième question. Top, Israël, concentration. Organisation présente dans toutes les communautés juives depuis l'époque du Talmud. J'ai pour mission d'accomplir ce que la Torah appelle une bonté de vérité. Mes services... La Chevra Kadisha. C'est la bonne réponse. Mes services sont parfois gratuits lorsqu'ils sont rattachés au conseil municipal de la ville dans laquelle j'opère. Et mon action permet d'éviter aux familles éprouvées les démarches fastidieuses liées à leur situation. Je suis ce qu'on appelle la Chevra Kadisha. Mon nom signifie congrégation sainte en araméen. 2-0. Tu vas peut-être repartir aussi vite que tu es venu, mais je ne l'espère pas. Alors dis-moi ce que tu fais toi, tu t'occupes ? Moi je m'occupe des jeunes. Et pour emmener les jeunes dans notre organisation, on appelait ça Café Torah. Ils viennent en général dans un café, et après ça, on leur donne un bar Torah, ou ça peut être dans une pizza, et bon, ça marche très bien. Et combien de cafés il peut prendre ? Jusqu'à 3 cafés. Jusqu'à 3 cafés. Parce que c'est pas même pour la santé, hein, parce que sinon, on aurait pu prendre plus, mais c'est pour le docteur qu'on a dit. J'ai compris. Eh bien, Be'atzlacha, bonne réussite. On passe tout de suite à la troisième question. Top. Livre présent dans toutes les maisons juives, je ne suis lu qu'une fois par an en Israël, mais deux fois en diaspora. Je suis divisé en 14 chapitres dont les noms sont chantés au début de la soirée durant laquelle je suis lu. Je compte, entre autres... La Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah. Je compte, entre autres, l'histoire de rabbins attablés dans la ville de Bnei Brak et la sortie d'Égypte. Je suis... La Haggadah de Pessah, j'existe en une multitude d'éditions et ma lecture, qui dure généralement plusieurs heures, est souvent accompagnée de nombreux commentaires. Victoire implacable de Yonatan Shaul, 3-0. Vraiment, je suis tombé sur un professionnel. Hein. Alors lui, il a été formé pour ça. Hein, donc. C'est Dieu, Baruch HaShem. Tu n'as aucune honte à voir, il a été formé pour Questions pour un Tzadik. Baruch HaShem, j'espère qu'il va gagner jusqu'à la fin, il va gagner les 26 livres. Bezrat Hashem, alors tu ne repars pas sans rien puisque tu reçois tout de suite le CD Pourim en 10 leçons, 10 cours sur Pourim, tu peux le présenter au public. Merci beaucoup, j'espère que je vais bien profiter et beaucoup d'atzlacha pour Yonatan, que tu vas réussir et gagner les 26 livres. Yonatan Shaul, tu as le choix ou de repartir tout de suite avec ce livre qui vient de sortir du four, Guide de la Teshuvah. D'après le Rav Volbeu, une orientation pas à pas vers le monde de la Torah. Soit tu repars tout de suite avec, soit tu retentes ta chance 3 autres fois pour espérer gagner les 26 livres Torah Box. On te laisse décider, Yonatan Shaul. Non, je vais quand même tenter le coup de gagner les 26 livres. Il reste à la prochaine émission de Questions pour un Tzadik.